Si vous écoutez cette lettre aujourd'hui, c'est parce que vous avez un avenir très prospère devant vous. Gardez votre foi, mon cher. La conscience divine a un avertissement très important à vous transmettre. Il concerne quelqu'un de votre famille. Ne vous sentez pas accablé par les difficultés que vous traversez actuellement, car aujourd'hui, Dieu vous offre une grande opportunité de prospérité. Les anges sont prêts à éloigner la négativité, et désormais, vous vivrez une vie pleine de prospérité. Si vous croyez en la conscience divine, je vous demande de vous abonner dès maintenant à cette chaîne, car à partir d'aujourd'hui, vous recevrez des messages célestes tous les jours par son intermédiaire. Dieu vous libère de vos mauvaises habitudes et guide votre chemin. Il éclairera de plus en plus chacune de vos décisions. Souvenez-vous que si vous avez choisi d'écouter ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Dieu a préparé ce moment pour vous bénir. Chaque message que vous recevrez sera une bénédiction qui entrera dans votre maison et les défis seront plus faciles à affronter. Cela sera l'une de vos nombreuses victoires. Fermez les yeux et priez. Cher Dieu, je désire recevoir vos bénédictions, même si j'ai traversé des moments difficiles, je fais confiance à votre plan. Amen. Maintenant, écrivez « Ange » pour commencer à réclamer toutes les bénédictions et les miracles que Dieu a préparés pour entrer dans votre vie. Gardez votre foi en le Seigneur, rien ne vous empêchera de devenir une personne exceptionnelle dans cette vie. Ne perdez jamais votre foi et gardez espoir. Dieu ne vous abandonnera jamais et vous vivrez encore de nombreuses choses incroyables. Aidez toujours vos proches quand vous le pouvez. Maintenant, écrivez 111 pour que toutes les prophéties se réalisent et que vous puissiez changer votre réalité en attirant l'abondance financière pour construire votre avenir. Dieu est en train de guérir toutes les personnes malades qui souhaitent prospérer dans la vie, qui se repentent de leurs actions et font un engagement sérieux envers lui. Les ténèbres dans votre vie toucheront à leur fin, et Dieu vous donnera la sagesse pour prendre les meilleures décisions et atteindre la liberté financière. Souvenez-vous que chaque fois que quelqu'un tentera de vous humilier, vous êtes destiné à surmonter les défis, et seul Dieu peut vous juger. Dieu vous a libéré des plans de l'ennemi, et je suis reconnaissant que vous soyez éveillé pour apprécier ce grand privilège accordé par le Seigneur. Tapez 777 pour activer toutes les bénédictions qui arrivent. Mon cher, j'ai besoin que vous réfléchissiez à cela, car cela vous aidera à réclamer toutes les bénédictions qu'il a pour vous. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de la journée, vous recevrez des nouvelles cruciales pour votre vie. Je souhaite que toute anxiété ou douleur dans votre cœur se dissipe maintenant et que tout mauvais œil dans votre vie disparaisse au nom de Jésus. Rappelez-vous l'histoire de Job, qui a enduré toutes les épreuves sans perdre sa foi en Dieu. En peu de temps, il a été récompensé du double de ce qu'il avait perdu. La même chose peut arriver dans votre vie. Seul Dieu a le pouvoir de transformer votre vie du jour au lendemain, et ceux qui suivent ses commandements entreront dans le royaume des cieux. Cher enfant, si vous saviez la grande victoire qui se profile dans votre vie, vous seriez rempli de joie. Une grande prospérité a été préparée pour vous. Dieu sait tout, et sa justice ne faillit jamais. Vos efforts ne seront pas vains, et cette période de souffrance deviendra la meilleure étape de votre vie. N'oubliez pas que Dieu vous a demandé d'honorer vos parents, et en conséquence, vos jours sur terre seront paisibles et prolongés. Amen. Aimez votre prochain comme vous-même, car la seule façon de sortir de cette situation est par l'amour, et tout s'améliorera. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour vous, mais seules les personnes qui croient jusqu'au bout et suivent ce message recevront toutes les bénédictions. Plus vous louez le nom de Dieu, plus de miracles financiers se produiront. Demain, en vous réveillant, vous recevrez d'excellentes nouvelles. Écrivez 1515 pour confirmer que l'œuvre du Seigneur est en cours et que l'univers est de votre côté, vous promettant un avenir prometteur. Cher Phil, vous êtes sur le point de prospérer de manière significative. Faites simplement confiance au timing de Dieu et restez fidèle à nos messages. Tous vos rêves se réaliseront. Dieu assure que l'emploi de vos rêves est déjà en route, mais nous avons besoin que vous aimiez ce message pour provoquer une transformation et attirer l'abondance sur votre compte en banque.
dédié chaque jour à Dieu, car il a orienté les circonstances pour que vous trouviez ce que vous avez toujours désiré. Vous n'avez qu'à le mériter. Commentez, Dieu, mon protecteur, et la protection divine descendra sur votre vie. Toute menace osant traverser votre chemin sera rejetée. L'ange le plus grand révélera quelque chose que vous désirez depuis longtemps, mais il est essentiel d'écouter ce message envoyé par Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Amen. S'il vous plaît, soyez attentifs à ce message important que Dieu a pour vous. Ne l'ignorez pas, car vous pourriez perdre les bénédictions qui vous sont destinées. Les anges vous montrent une vision de succès, mais il est essentiel de rester ferme jusqu'au bout pour recevoir la récompense divine. Dieu guidera vos projets dans les semaines à venir. Dieu a révélé que quelqu'un de votre famille était destiné à partir, mais sa miséricorde est intervenue parce qu'il vous aime profondément. Et la lumière de Dieu a dissipé le mal, et maintenant votre être cher est en sécurité et béni par l'amour de Dieu. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Vos rêves se réaliseront en 2023. Faites confiance. Vous avez toujours besoin de Dieu dans votre vie pour le succès et la force dans vos objectifs. Restez en paix, votre âme est protégée par les mains de Dieu. Amen. Dieu dit, « Laissez-moi être votre réconfort, essuyez vos larmes et vous enveloppez dans mon manteau. Je veux vous embrasser et enlever toute amertume de votre âme, la remplissant de la douceur de mon amour et de la tendresse de mon affection. Je veux que vous vous sentiez bien. Votre famille ne sera jamais vaincue par le mal. Dieu la protégera sous ses ailes. Ressentez la puissance de Dieu. Je reconnais qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous avez besoin de moi, mais je ne suis pas ici pour imposer des conditions. Je recherche seulement votre confiance, je ne demande rien d'autre. Je n'apporte pas une liste de requis pour recevoir ma paix. Je demande simplement que vous me permettiez de m'approcher sans peur. Je sais que votre cœur est blessé, mais je suis là pour vous guérir. Cela me plaît lorsque vous communiquez avec moi, lorsque vous vous adressez à moi, lorsque vous avez une confiance totale en moi pour partager vos sentiments. J'ai entendu vos paroles ce matin, et même si elles sont peu nombreuses, ce qui compte, c'est votre sincérité et votre intention. Je n'ai pas besoin de plus. Je vous ai déjà dit par le passé qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde serait suffisante pour que votre prière atteigne le trône céleste. À partir de là, je décide de votre destin et j'envoie le réconfort. À partir de là, je démontre mon amour pour vous. Vous êtes mon amour, mon fils. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est un message de mes anges. Vos protecteurs. Tapez « Amen » dans les commentaires pour sceller notre alliance.